saint, pur de toute imperfection. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, glorifie Allah, et il est le puissant, le sage. Allah est le seul créateur de tout sur terre, dans les cieux, dans l'espace et dans la terre. Il est l'initiateur de l'ordre, des lois cosmiques et de l'harmonie générale que nous constatons en regardant autour de nous. Les mondes invisibles et imperceptibles sont eux aussi soumis à Allah et à ses lois. Ainsi qu'il est révélé dans le Coran, Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas, et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. C'est Allah, notre Seigneur, qui a créé toutes choses et qui les garde. L'homme, serviteur d'Allah, est totalement impuissant. Il commet des erreurs, oublie et est souvent désespéré et insouciant. Car l'être humain est faible par rapport à son Créateur. Il est limité physiquement, spirituellement, voire sur le plan de l'entendement. Tout au long de sa vie, il doit prodiguer des soins et une attention permanente à son corps. S'il soumet son corps à un effort physique trop intense, le prive de sommeil pendant quelques jours, ou encore le laisse se déshydrater pendant une journée, ce corps finira alors par s'affaiblir et se dégrader. Ce sont là des signes évidents de faiblesse humaine, signes d'Allah pour les hommes doués d'intelligence, afin qu'ils réfléchissent et comprennent. Allah, notre Créateur, détenteur des noms les plus magnifiques, est au-dessus de toutes ses imperfections.